Et la vanille de Taha, plantée à l'engrais biologique, une quinzaine d'agriculteurs a été formée pour préparer un fertilisant naturel, un réel tournant pour le secteur qui, selon une étude réalisée il y a 2 ans, c'était de l'engrais chimique qui permettait de faire pousser l'or noir. Les précisions de Thomas Moutam, directeur de la Chambre de l'agriculture, puis Bruno Neufer, un agriculteur, ils répondent à Hitimanaki. On a trouvé dans nos vanilles des produits pesticides et ça c'est très grave pour nous. On parle de la vanille, l'or noir de la Polynésie française. Donc qui dit l'or noir, donc il faut de la qualité. Et donc on a discuté avec les Pic Vanille, nous avons mis d'accord de faire des formations. On peut planter de la vanille en utilisant des produits naturels. Et ce matin on a fait une démonstration sur l'engrais poisson, comment il faut multiplier l'engrais poisson, comment il faut fabriquer, comment il faut multiplier le IM. Après on repassera comment il faut faire le bokashi. Donc, tous ces engrais naturels que la plante a besoin. Et je pense que les agriculteurs sont très très contents parce que c'est un début pour eux. Mais cette méthode, ce sont nos anciens, nos ancêtres, ils utilisent ça. Aujourd'hui, on voit un peu tout ce que l'homme fait sur la terre, des conneries, enfin, excusez-moi l'expression. Alors, il vaut mieux penser à l'avenir et puis produire quelque chose de sain. L'information, on continue sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.